الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. chers frères, sans aucun doute, le nikah est ce moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala à accorder pour permettre à deux personnes qui s'aiment de pouvoir exprimer leurs sentiments respectifs, leur attachement mutuel et leur attachement réciproque. C'est ce que disait en d'autres termes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait un jour: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. Qu'il n'a été vu de chose plus belle que le nikah pour deux personnes qui s'aiment. En effet, le nikah accorde à deux personnes qui s'aiment cette opportunité, leur offre cette opportunité et cette occasion de pouvoir concrétiser cet amour. Que cet amour devienne aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala licite et légitime. Que ce soit un amour qui soit agréé par Allah, et mieux encore, que c'est un amour qui soit récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Dès lors, mes frères, nous comprenons mieux le verset qui vient d'être récité juste avant. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous parle des grands signes de sa manifestation dans l'univers. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la création des cieux et de la terre. Création grandiose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la création de l'être humain en lui-même. Création magnifique, machine parfaite, créée avec la perfection par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du jour et de la nuit, éléments à travers lesquels, respectivement, l'homme travaille et trouve un moyen de se reposer. C'est encore une création sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la diversité des couleurs et des langues qu'Allah subhanahu wa ta'ala a répandues sur la terre. C'est encore un signe de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au milieu de tous ces signes, de la manifestation de la puissance divine, Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa min ayatihi. Et parmi ces signes, les signes de la puissance, de la grandeur, de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il y a? Al-khalaqa lakum
من أنفسكم أزواجا. Qu'Allah Ta'ala crée pour vous des hommes, à partir de vous-même, Allah a créé des épouses. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, afin que vous trouviez, afin que vous trouviez auprès d'elle quiétude, tranquillité. وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et Allah subhanahu wa ta'ala a placé entre vous l'amour et la compassion. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Certes, il y a là-dedans, dans ce grand signe du niqab, des signes pour ceux qui savent réfléchir. Mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des grands signes de la création. Les cieux, la terre, le jour, la nuit, la création de l'homme, et ensuite il nous parle du niqab au même titre, c'est-à-dire autant de puissance dans sa manifestation. Alors les ulama disent, mais quel est donc le rapport entre la création de ces choses immenses dans l'univers et le niqab qu'Allah subhanahu wa ta'ala a institué? Beaucoup de raisons. On va retenir juste une ou deux. Les ulama disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans l'amour, dans le cœur de deux êtres, un amour qui n'a pas d'équivalent dans sa force sur terre. Et que si on devait arriver un jour, peut-être impossible, mais si on devait juste imaginer que sur cette terre, il ne devait plus exister personne, plus rien sur cette terre, et que juste il restait à l'est, à un bout de la terre, un homme, et qu'il restait à l'ouest, à l'autre bout de la terre, une femme. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le signe de sa toute-puissance que ces deux-là, ils vont tout faire pour pouvoir se rencontrer, se désirer, s'aimer et vivre d'une vie commune sur cette terre. Et ça c'est « wa min ayatihi ». Ça c'est parmi un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La force de l'amour qu'Allah ta'ala a placé dans le cœur de deux êtres, d'un homme et d'une femme, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que cet amour peut faire déplacer des montagnes et contre vents et marées, ces deux-là seraient tout pour être ensemble. Et c'est pourquoi, nous disent les Mufassirin, Allah a classé cela parmi un des grands signes. Allah subhanahu wa ta'ala l'a également cité comme un signe ce niqab, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a placé une force. On le comprend juste à travers un exemple. On a entendu la semaine dernière ici même que si un jeune homme devait se présenter devant la porte d'une maison, et qu'ensuite il a fait appel le chef de famille, ce père de famille, en disant, monsieur, je voudrais être avec votre fille, si vous pouvez me laisser avec elle, que je passe un peu de bon temps avec elle, sans engagement, rien. Vous imaginez la réaction de ce père, la colère de ce père, qui serait prêt à le frapper, qui lui claquerait la porte au nez parce qu'il a demandé quelque chose qui n'est pas demandable. Et maintenant, ce même jeune homme, mais il vient avec une autre lumière. Ce jeune homme, il se présente à la même maison et il interpelle ce même père. Cher père, cher monsieur, je suis devant votre porte et je vous demande la main de votre fille dans le niqab. Je vous demande à ce que je puisse épouser votre fille. Le mot niqab aura changé toute la situation. Ce père, il est content. Il entre dans la maison et il annonce à son épouse qui est contente. Et eux, tous les deux, ils l'annoncent ensuite à leur fille que les pieds ne sont plus sur terre, elle a décollé. Content, les textos vont partir. J'ai eu une demande en niqab. Elle va le dire à tout le monde. Même si la réponse doit être négative, mais la joie, elle est là. Ce sera une fierté. Elle le dira à tout le monde, j'ai eu une demande. J'ai refusé. J'ai eu une demande. Et elle le dira un jour à celui qu'elle aura élu en disant, toi t'es un petit vénard, toi tu sais. T'as de la chance, toi tu sais. Parce que il y en a beaucoup avant toi. La vie c'est long comme ça.
Tadlaşka o peşu kar. O mersi Allah. Et on a maintenant dit, qu'est-ce qui a changé? Le monica a changé tout. La conception d'une vie commune à travers ce qu'Allah a rendu licite par le biais du monica. Et ça, c'est un signe de la toute-puissance divine sur cette terre. L'union de deux êtres rendue licite par le monica, par Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup d'autres raisons. Mais on va retenir ces deux-là. Retenir ensuite, mes frères, que le but de ce nikah, Allah il le dit juste après dans le verset. Que si vous êtes ensemble, qu'Allah a créé des épouses pour vous, et de même vous les épouses, qu'Allah a créé des époux pour vous, c'est pour que l'itaskounou ilaïha. On va rester terre à terre, mes frères, et ce sont les éléments essentiels. L'itaskounou ilaïha, afin que vous trouviez auprès d'elle la quiétude, la tranquillité, la sérénité. Si dans le nikah, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de sérénité, il n'y a pas de tchène, comme on dit, alors il y a quelque chose qui fait défaut dans cette union. Il y aura des valeurs qu'il faudra reconsidérer. Il faudra revoir l'organisation et la gestion de cette union, de ce couple. Parce que le but a été posé. Le but, c'était l'ikas pour nous, ilayha, afin que chacun se sente bien. Que le mari soit content de rentrer à la maison. Que l'épouse elle soit contente de retrouver son mari. Et c'était l'un des objectifs primaires et essentiels du nikah. Que l'être humain atteigne sa stabilité et qu'il trouve dans ce monde agité un lieu où il ressent un bien-être, une tranquillité. L'agitation externe, ça lui pèse. C'est en rentrant chez lui qu'il doit retrouver la tranquillité. Si quelqu'un se fait à l'extérieur que l'intérieur, il y a un problème. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Le Coran dit هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ. أي هُنَّ سَكَنٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ سَكَنٌ لَهُنْ. Vous, les épouses, vous êtes un élément pour lui faire atteindre le bien-être. Et vous, les époux, vous êtes un élément pour lui faire atteindre, elle, son bien-être. C'est ça, l'un des objectifs de base et essentiels du nikah. Et pour atteindre cet objectif, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il nous donne deux éléments, deux forces inestimables. Et il le dit juste après dans le verset. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah ta'ala a donné deux valeurs essentielles. À chacun des anciens, des nouveaux, des futurs groupes, de se rappeler de ces deux éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placés dans la force du nikah, et vers lequel chacun de nous, nous devons nous orienter, travailler pour les intégrer dans notre union. Tout d'abord, l'amour. Et je ne répéterai jamais assez qu'un nikah, avant d'être une affaire de droit et de devoir, c'est avant tout une histoire d'amour. C'est l'histoire de deux êtres qui se sont aimés et qui ont fait le choix de mener une vie commune. C'est une, avant tout une histoire d'amour. C'est ce qu'il faut replacer au centre du couple, mes frères. Chacun des anciens et des nouveaux, de se rappeler qu'est-ce qui a fait finalement que je l'ai choisi. L'épouse qui se dit qu'est-ce qui a fait finalement que je l'ai aimé. L'époux qui se dit finalement qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, elle m'a frappé et que je l'ai choisi. J'ai fait la décision que le reste de mes jours, je vais les passer en sa compagnie. Eh bien, c'est cet amour qu'il faut savoir replacer au sein de notre couple. Et c'était l'exemple même de notre